Salut tout le monde, c'est Diabolique 2113, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, non pas en compagnie de mon ami Polo, mais tout seul. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo tout seul, et ça me manquait un petit peu. Et aujourd'hui, on va pour une compétition en ligne, on va essayer de gagner la Coupe Gold. Je l'ai déjà remporté une fois. Avant de me diriger dessus, je vais vous montrer l'équipe que je vais utiliser. Je vais utiliser l'équipe que j'utilise le plus souvent ces derniers temps, c'est-à-dire une Ligue 1. Je l'ai appelée tout simplement L1 Triangle, parce que sur PS3, PS4, c'est le L1 Triangle, vous savez très bien ce que c'est. Donc la balle en profondeur par-dessus la défense, je ne le fais pas souvent, je le fais de temps en temps, c'est vrai. Je ne l'utilise pas souvent, mais ça me semblait drôle de mettre ce nom-là. Mais enfin bref, on s'en fout. Je vous la présente de suite. Alors, dans les buts, Sirigu, même si vous la connaissez, hein, c'est une équipe de base, elle, mais on va faire le tour vite fait, on va trop s'attarder dessus. Alors Sirigu, ce que vous voulez, avec une carte style de mur, très bonne stat, hein, mais rien à dire, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Par contre, c'est de ce côté là. Alors en dev droit, Fanny, Italo Fanini. Pourquoi Fanny? Parce que je trouve qu'en défense en droit, en Liga, il n'y a pas grand monde qui pourrait prendre sa place. Donc Fanny, un bon def avec des bonnes stats, une bonne vitesse sur les côtés, carte garde dessus. En DC, El Monstro, Thiago Silva, avec une carte sentinelle, 80 de vitesse, 87 de def, 83 de tête, pour 1m83. Quoi tire de plus, hein, un monstre. Vous voyez que j'ai payé 24 000 crédits. J'ai pas dit les prix des autres parce que c'est rien. 650 crédits pour Fanny et 1000 crédits pour Sirigu, c'est vraiment donné. Thiago Silva, il m'a fait donc 48 buts. Pardon, n'importe quoi. 48 matchs, 3 buts, 2 passes décisives pour un défenseur central. C'est pas mal. C'est pas ce que je lui demande. Ce que je lui demande, c'est vraiment faire de taf en défense. Il fait très bien son travail. Il n'y a rien à dire. À ses côtés, Nkoulou, de l'Olympique de Marseille. Carte pilier, je l'ai acheté comme ça, donc je n'ai pas modifié. Un peu plus lent, 77 de vitesse, mais c'est suffisant. 82 de défense, 76 de tête pour 1m80. Aussi très bonne stat, donc 48 matchs, pareil, un but marqué. 800 crédits, donc vraiment pas cher et un bon DC. À gauche, Bedimo. Bedimo, l'Olympique Lyonnais. Que dire de plus, 80 de vitesse, 76 de def, 74 de tête, 1m80 aussi, 750 crédits. Pareil, en def gauche, en L1, perso, j'en ai pas trouvé. Donc si vous en avez qui sont mieux que lui, ou un joueur qui est mieux que lui, dites-le moi. Carte garde, j'ai oublié de le préciser. En MDC, Blaise Matuidi. Qui mettre d'autre? Franchement, 4 rocs en plus, je ne peux pas mettre autre chose. 78 de vitesse, 83 de def, 76 de tête, 1m75. Il est petit, mais pour un défenseur, enfin un milieu def, pardon, il n'y a pas mieux. Quoi. Franchement, je trouve qu'en Ligue 1, en Ligue 1, il n'y a pas mieux que lui. 48 matchs, 3 buts marqués, 2 passes décisives, enfin, mon club, hein, je dis toujours. Hein. Voilà, c'est un monstre aussi qui fait bien son travail en revenant en arrière et puis en faisant un grand rôle de défenseur quand il y a besoin et de relance quand il le faut aussi. En MD, Luca, l'onde de vitesse, 92 de vitesse pour nos amis français, 88 de dribble, 77 de tir. 78 de passe, bonne stat, bonne carte. Par contre, en match, c'est je trouve pas extraordinaire. 4 étoiles en geste technique, 3 étoiles en mauvais pied. Il est droitier alors qu'il est à droite, c'est un peu chaud après pour faire des enroulés du gauche, ça passe pas, donc c'est assez compliqué de marquer, mais bon, il fait des bons centres. Il nous a fait, qu'est-ce qu'il nous a fait, 13 passes décisives, c'est pas mal. 4 buts avec mon club et 48 matchs comme pour tous les autres. Carte architecte. Donc voilà, en même droit apparemment en Ligue 1, il n'y a pas mieux. C'est pas le joueur que je préfère, mais bon voilà, dans mon équipe, il y en a d'autres que je trouve mieux. Hein. 3800 crédits, le prix d'achat. Alors on va vite passer au côté gauche, Alessandrini, dans l'antenne de vitesse, 74 de tir, 78 de dribble. Pareil, un gaucher par contre, 4 étoiles en mauvais pied, 4 étoiles en jeu technique, ce qui est pas mal, aussi un petit rapide. Lui, vous voyez, 7 buts marqués et 8 passes décisives. C'est moins en passes décisives, mais c'est plus son but.
carte artiste, ce qui est pas mal, je trouve bon. Après, j'aimerais tester peut-être la Vidi, mais franchement, pas trop en plein de lui. Rond MOC, James Rodriguez, voilà. Pff, alors là, rien à dire. Franchement, 150 000 crédits, 154 000 crédits même. J'ai pas mis, attendez, juste Alessandrini, 850 crédits, hein, avant de donner hein, comme carte. Rodriguez, James Rodriguez, pied gauche. 4 étoiles en geste technique, 3 étoiles au mauvais pied, mais bon, quand tu le mettais sur son bon pied, c'est au fond. Y a rien à dire, c'est un monstre en MOC. Franchement, comparé à sa carte de milieu droit, bah c'est pour ça que je l'ai pas aussi en milieu droit, c'est parce que je l'ai en MOC. Donc voilà, c'est juste monstrueux. Je l'aime beaucoup. Franchement, c'est une bonne carte. Merci à El Nino Pat, à Monsieur Papat qui m'a conseillé. Pendant un de ses lives, je lui ai demandé, il me fait prends là, les yeux fermés, n'hésite même pas. Puis bah voilà, franchement, rien à dire. En BU, alors là, la surprise, monsieur Jérémy Ménez, 900 crédits, 86 de vitesse, pardon, 87 de dribble, 74 en tir, mais ce 74 en tir ne veut rien dire. Il a 4 étoiles en mauvais pied, 4 étoiles en geste technique, il est monstrueux. Franchement, regardez, 48 matchs, 32 buts, 17 passes décisives. C'est juste énorme. Si je le compare à mon deuxième buteur qui est Cavani, regardez, lui m'a coûté 5 100, 48 matchs, 33 buts, 16 passes décisives. Autant dire qu'ils ont un but de différence entre les deux pour le prix. Regardez, franchement, en plus Cavani, il a 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique. Hein, donc, carte finisseur les deux, franchement, il n'y a rien à dire. Menez est monstrueux. Alors, certes, il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas, mais moi, franchement, c'est un kiff. À chaque fois, voilà, si j'arrive à faire un bon match, s'il est dans ses bons jours, il y a tout qui rentre, quoi. Je suis trop revenu. Revenons sur Cavani. Donc, 83 de vitesse, 80 de dribble, 84 de tir, 84 de tête. C'est aussi un monstre, vous voyez. 48 matchs, 33 buts, 16 passes décisives. Voilà, c'est que du bonheur. Les deux attaquants là, c'est des monstres. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà, prenez-les. Si vous pouvez pas vous prendre du Falcao puis du Ibra, ben vous prenez ces deux-là. Hein, ils coûtent 100 fois moins cher qu'à Ibra, et puis vous faites le même travail. Donc voilà, sur le banc, je l'ai bronzé. Oui, j'ai bronzé mon banc avec les cartes les moins chères, enfin pas les moins chères, les moins élevées que vous pouvez trouver. Ça me fait moyenne générale 76, 76. Oui, c'est de la tricherie. Alors j'en ai rien à foutre, j'en ai marre du rééquilibrage. Je me prends une grosse BPL, je me fais niquer. Je prends une grosse Serie A, je me fais niquer. Voilà, j'en ai marre. Donc voilà, je bronze tous mes bancs. Tous, toutes mes équipes sont bronzées sur le banc. Et c'est comme ça, et ceux qui sont pas contents, tant pis. C'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà, on a passé la présentation d'équipe. On va se diriger sur la compétition en ligne qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une coupe gold. C'est je l'aurai un jour, je l'aurai, et je l'ai déjà une fois, mais là je veux l'avoir en live. On va essayer de l'avoir, hein, tout simplement. On va se diriger dessus. Avec un peu de chance, on va faire un beau match. Continuez, trouvez-moi un adversaire, s'il vous plaît. Et puis allons nous amuser, hein, prenons du bon temps. Allez, je vous souhaite un bon visionnage, un bon match si on arrive à trouver un adversaire, chose qui n'est pas facile en ce moment. Attention. Et c'est parti, il est là, hop. Tu joues en orange? Non, tu joues en blanc, c'est gentil, merci. Et c'est parti, jouer. Qu'est-ce qu'on va avoir en face? Je parie sur une BPL, attention. Et non, ça sera une Deutsch. Bundesliga, alors Bundesliga mélangé avec du BBVA. Alors j'ai pas compris là, même pas. Alors il y a un gars de Bundesliga, deux, trois Bundesliga, puis tout le reste c'est du BBVA. Ok, contre, j'en passe des meilleurs, vous les connaissez. C'est tout bon. Je cherche son nom, j'arrive pas, ça vient pas là, donc c'est pas grave. Allons-y. On passe en défensif. Alors, il y en a beaucoup qui jouent en défensif contre-attaque, défensif pressing. Moi, des fois, je me mets juste en défensif. Parfois, je me mets juste même pas en défensif, en normal. Et puis ça passe. Des fois, ça passe pas. Il y a plein de techniques que les gens utilisent. À mon avis, c'est juste.
Ça dépend des jours, quoi. Il y a des jours où ça va bien passer, il y a des jours où ça passera pas. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne en défensif. Je construis beaucoup en ce moment, je vais dire, mais c'est. Il y a des matchs où je vais construire plus que d'autres. Là, je fais de la merde, pardon. Allez. Allez, on revient. Hop, voilà. Joli passe en arrière, Nkoulou. Bedimo. On revient au centre sur Cavani. Sur James. Par-dessus. Pour Menez. Allez, Menez. Non, ça sert à rien, ça. Fallait pas tirer. Il fallait la remettre en bas à droite. C'est loupé. C'est pas grave. Allez, on récupère cette balle. Allez, hop, 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 hop. Cette série, je vais pas. Je vais utiliser des équipes qui me plaisent, hein, que j'arrive à jouer avec. Je vais pas prendre, commencer à faire des équipes exprès et tout. J'espère que ça vous plaise quand même, hein, que ça va vous plaire, pardon. Parlons français. On va essayer en tout cas. Allez, James, là-haut, Alessandrini. En profondeur. Voilà, bien joué. Ah, hors-jeu. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Et puis sinon, tant pis. En tout cas, j'ai eu des bonnes réactions sur les duos que je fais avec Monsieur Aldebaran. Ça c'est fun, j'aime bien. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces matchs du jour avec lui. Lui aussi, je crois. Et c'est chouette, franchement, j'essaye. Qu'on ait beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. J'espère que ça ressent. Allez. Bien joué ça. Ah, Thiago Silva. Cavani. Allez, bien joué ça. On a vu. Allez, Jiménez. Vas-y, garçon. Et à faute, monsieur l'arbitre. Merci. Alors, on va essayer de tirer en force avec Cavani. Thiago Silva, non, je veux Cavani, Edison. Hop. Je croyais que ça va passer. Alors je vais essayer de mettre comme ça. Ah non, il était devant. J'ai mon attaquant qui était devant. Non. J'essaie de me démarquer là. Un petit centre. Tête qui ne passe pas. Attention contre-attaque. Avec Morata. Voilà, c'est bon. Je l'ai essayé, ce Morata, il m'a pas convaincu plus que ça. En BBVA. On y aurait un bon joueur, apparemment très prometteur. Mais sur fut, c'est pas encore ça. Ça va venir peut-être. Allez, Alessandrini, Lucas, Cavani par-dessus. Et l'un triangle, allez, vas-y, Lucas. Bien joué, ça. Oh putain, mon Dieu, je vais tirer. Au moment où je vais tirer, je presse le bouton, il me prend la balle. Non. Tu dis dommage, Blaise. Allez, on essaie de la récupérer. Voilà, ça c'est bien joué, garçon. Non, ça c'était bien joué. Que la moitié. L'autre moitié a oublié de prendre la balle. On la récupère. C'est bon. C'est pas bon. Faut que je dise c'est bon pour qu'il fasse des bêtises. Fais-moi pas des gris-gris parce que ça ne sert à rien. Moi je fais des conneries. Ah là là, ça c'est pas bon. Ça a bien joué. Allez, Matuidi. On se redégage doucement, tranquille. Ça sert à rien d'accélérer. Allez, on construit là-haut. Voilà, on revient un petit coup en arrière. Alors, on va essayer qu'il s'ouvre un peu, qu'il se découvre. Allez, Lucas, qu'est-ce que tu fous là, Lucas? Il n'y a personne de l'autre côté. Thiago Silva. Fanny. Il m'a foutu un mur là-devant, c'est chiant, quoi. J'arrive pas à passer. Bien joué, ça. Vas-y, Cavani. Au pressing. Ça passe pas. C'est plutôt en force, mais non pas au pressing. Allez, vas-y, garçon, c'est la tienne. Bien joué, ça. En arrière. Là-haut. Et on se dégage. Voilà, tranquillement. Voilà. Par-dessus. Elle a un triangle. Vas-y, Cavani. On la récupère. Au fond. Et on va faire un centre. On va essayer. Ah non. Ce n'est pas passé. Ce n'est point grave. Allez, on se démarque. Là, on bouge. On bouge, on bouge. Voilà. Allez, on bouge encore un peu. Ah oh, putain, obligé d'y donner la balle comme ça m'énerve. Et il met en pause. Ah, profitons pour regarder un peu les stats vu que il a mis ça en pause. Alors, tir 3 et 2 cadrés pour moi, 0 pour lui. 63% de possession de balle, 37 pour mon adversaire. Et tout ça à la 33e minute. Retournons.
pour voir s'il a fini de faire pipi. Toujours pas. Bon, on va attendre un petit peu. Ah, nous vous prions de patienter. Nous recherchons votre correspondant. C'est bon, il est là. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Je ne sais pas. Peut-être sa mère qui l'appelait pour aller manger. Elle dit, j'arrive, s'il te plaît, maman, je suis en plein match. Non, je rigole. Là, Rodriguez, vas-y, James. Sur ton pied gauche, voilà, on centre. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Il a fait faute, David Villa? Alors là, franchement, je ne l'ai pas vu. Hein. On va voir ça. Ouais, d'accord, ok. Franchement, des fois, il y a des fautes, tu te poses des questions. Comment est-ce qu'il fait pour les marquer? Allez, on va essayer de la tirer, celle-là, en force aussi. C'est pas passé. J'aurais dû la centrer. Blaise, Cavani. Mais attaque cette balle, Cavani! Oh Dieu! Ouais, des fois, c'est comme ça. Hein. Je comprends pas. Ils ne veulent pas attaquer les ballons. Donc après, on se fait piéger. Bien joué, Matuidi. Et très très fort, ce Matuidi. Franchement, il vaut vraiment la peine. Il coûte rien en plus. Bien ça. Allez, vas-y, Ménez. Ah, tu es Pierrot. Chaque fois, je suis con. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Chaque fois, je dis Ménez, je pense à Pierre Ménez. Donc c'est pas du tout ça, c'est Jérémy. Mais bon, c'est un vieux réflexe à la con. Enfin bref. Tac, Rodriguez, il y en a un qui est commentateur sportif qui fait 180 kilos et l'autre c'est un joueur de foot. C'est pas grave. Pourtant, on voit bien la différence. Oui, je sais, c'est nul, mais. Fou! Voilà. Et attention, premier avertissement. Allez, remets-la au fond, bien joué ça. Allez, vas-y, Ménez. Vas-y, Jérémy. Allez, GG. Putain, mais pas toi! Ah putain, mais n'importe quoi, mais mets-la au fond la prochaine fois. Je vais devoir faire une passe à la noix. Je m'énerve, je m'emporte. C'est pas bien. Surtout que je peux en vouloir qu'à moi-même. Hein. Voilà, ça c'est bien ça. James, gauche. Non, avance, t'as le champ libre. Regardez-moi ça, il a le champ libre. Je démarque, il a le champ libre. Pourquoi j'avance pas avec? Ah, précipitation. C'est pas bon ça. Allez, la tête. Cavani, la tête de Cavani, c'est le but. Edison Cavani. Bien joué, garçon. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est simple, non? T'arrives, tu mets ta tête, c'est le but. Ah, allez, je vais y passer le supplice du corner. 1-0 à la 45e. Et oui, c'est mortel la 45e minute. On le sait tous. Et pour une fois que c'est à mon avantage, je ne vais pas me plaindre, attention, parce qu'il peut égaliser. Bien joué, ça. Bon pressing du défenseur et puis Sirigu qui sort juste au bon moment. C'est bien, ça. Allez, c'est à la mi-temps. Et j'ai la gorge sous tèche. Je vais couper 30 secondes. Je reviens. Je vais m'hydrater. Et voilà, désolé. Allez, on va passer ça. Fallait vraiment que je boive parce que j'avais la gorge complètement sèche. J'arrête pas de parler. Je m'excuse. Revoyons vite ces statistiques. Alors, 6 tirs à 1. 4 cadrés à 1. 61% de possession de balle et 39% pour mon adversaire. Que dire de plus pour l'instant? C'est très bien. Retournons-y. Je suppose qu'il est prêt. Il est prêt. Allez, c'est reparti pour une deuxième mi-temps de folie. On l'espère. Alessandrini, franchement, je sais pas si ce que ça va donner si je me prends à Lavezzi. Parce que Alessandrini me fait du bon travail pour le prix qu'il coûte. Attention, bien joué ça. Allez, Matuidi, allez à toi. Vas-y, mais mets ta tête, Blaise. Ouf, joli tir. Ah, franchement, et un bel arrêt de Sirigu. Rien à dire. Corner, faire attention. Je disais, Lavezzi coûte dans les 20 000 et quelques, 23 ou 26 000 crédits. Attention, le tir. Je l'ai vu venir. Enfin bref, bien joué à lui. Rien à dire de plus. Alors que Alessandrini ne coûte rien, ou presque. Très peu cher. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'investisse 23 000 crédits pour remplacer un gars qui me fait le boulot que je lui demande? Donc, je sais pas.
Alors que par contre, j'aurais besoin vraiment d'un gars en MD pour remplacer Luka qui me satisfait pas entièrement, malheureusement. J'aimerais qu'il me fasse plus que ce qu'il me fait et j'ai de la peine. Attention, attention là-haut. Attention là-haut, j'ai dit. Allez, vas-y, Fanny. Bien joué, Fanny. Bien, ça c'est bien joué, c'est propre. On l'évite. C'est très bien. Encore. Voilà, ça c'est très bien, c'est du propre. En centre. Oh. Par contre, ça aurait dû être plus rapide pour centrer cette balle. Allez, on va prendre un gaucher, Alessandrini. Et tu me déposes cette balle sur la tête de Cavani. Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Allez, on récupère cette balle, elle est à nous. Bien joué, ça, Matuidi. Ah, par contre, la relance est mauvaise. Très mauvaise relance de Matuidi. Et par contre, alors que il m'a fait un très bon retour défensif pour récupérer cette balle. Allez, c'est pas grave, c'est reparti. Ah là là, non, James, récupère cette balle, James. Hop, hop, hop. Non, oh non, 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 cette erreur. J'ai de la chance que Thiago mette ça à côté, parce que c'était une erreur monumentale de ma part. Bien joué, ça. Voilà, une, deux. Simple, on l'a vu. On avait Alessandrini qui se démarquait. Vas-y, garçon. On revient. On tire, on roule. Oh, Cavani! Non! Cavani, mais tire direct! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu amortis cette balle? Oh là 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 là. Vous voyez, Alessandrini m'a fait du très bon travail là, hein, franchement. Il revient et tout après. Juste le tir qui sort pas correctement, quoique. On peut dire que c'est aussi un bel arrêt du gardien. Allez, bien ça, bien, bien démarqué, Fanny. En centre. Oh non, Fanny! Pardon. Des bonnes occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser. Et puis ça le fait pas parce que elle est par-dessus, elle passe pas. Parce qu'on va se faire, on va se prendre un but en contre-attaque et ça va m'énerver. Puis on va perdre le match, ça va m'énerver encore plus. Non, 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 voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Restons zen. On va rester zen. Allez, on sort cette balle. Bien joué, ça. Allez, Lucas, elle est à toi. Non, Lucas, t'es lent, mais t'es trop lent, là. T'as 91 de vitesse et tu es lent. Non, 80 et quelques. 91, c'est Alessandrini. Allez, on sort cette balle. Bien joué, ça. Allez, Cavani, elle est à toi. Bien. Allez, on sort, on se dégage, on sort de là, j'ai dit. Attention, le centre. Aïe, 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 Sirigu, attentif. Bel arrêt. Un très bel arrêt de Sirigu. Que tire de plus? Allez, je me fais presser et ça, j'aime pas. On sort cette balle. Pouh, elle rase le poteau. Franchement, elle rase le poteau. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Allez. Allez, on construit, parce que là, je trouve que je ne construis pas assez. Mon goût. Et je perds tout de suite la balle. Bon, il y a faute, on dirait, mais. Allez, on va la mettre dans le tas. Avec un peu de chance, on aura une tête qui va se. Oh! Oh! Oh, dommage! Oh, ce retourné de Luka! Oh, mon grand, tu l'aurais mise dedans, je t'aurais gardé à vie. Bien, oh non, c'est un bon retour et après tu fais une passe merdique. Ah, oh, mon Dieu. Alors Luca là, ce retourné qu'il m'a fait, c'était au fond, je le gardais. Vas-y, allez Menez. Bien, allez vas-y Menez. Ah oh, mais non, mais c'est Sergio Ramos avant de chercher son nom. Allez, à toi, Sirigu. Voilà. Allez, on la remet devant. En balance. Vas-y. Vas-y, Menez. Batte-toi. Batte-toi, j'ai dit. Bien joué, ça. Allez, continue. Mais continue. Je me précipite parce que je souffre. Alors qu'il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a vraiment pas de raison.
Il est largement à ma portée, c'est pas possible ça. Je déteste souffrir dans des matchs alors que j'ai tout pour gagner. Et j'arrive pas à regarder, je sais pas, il doit être aussi en défensif, mais il a une muraille là, il a double rideau là, défensif. C'est vraiment chaud à passer. Et voilà, et voilà. Et il est sûr, je suis sûr qu'il est en contre-attaque. Je suis sûr qu'il est en défensif contre-attaque de nouveau lui aussi. Bien joué ça. Allez, vas-y, on y va. On y va. Allez. Oh mon Dieu. Allez, James. Mauvaise passe, mauvaise passe. Allez, on va profiter. On va se remettre en équilibre. Et... Hey oh! Ça a bloqué, des fois ça bloque, je sais pas pourquoi. On arrive à la fin de ces 90 minutes. Non! Non! Dieu, ça va pas de se faire des frayeurs pareilles. Allez, par-dessus, vas-y Lucas. Vas-y Lucas, allez Lucas. Lucas, allez Lucas, c'est Lucas. La faute, notre arbitre, la faute! Pardon. Allez, on va prendre Alessandrini. Dépose-moi cette tête. Allez, la balle sur la tête là. Thiago, pas assez appuyé ça. C'était bien vu, mais c'était pas assez appuyé. Voilà, ça c'est bien. Cavani, James, James, par-dessus. Vas-y garçon, vas-y garçon. Ah, oh, mon Dieu, Cavani qui récupère. C'est pas fini. Un enroulé. Oh, magnifique! Magnifique but! Edinson Cavani qui nous donne la victoire à la 90e minute. Oh, merci! Merci, garçon! Tout comme j'avais prévu. Un enroulé, je l'ai dit. Je l'ai dit. Et elle est au fond. Magnifique. Que demander de plus? Po, 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 po! Allez, on va pas se faire encaisser un but à la fin. Ça serait con. Et c'est fini! C'est fini! J'ai souffert. Alors là, j'ai vraiment souffert. J'aurais pas dû. Hein. J'aurais pas dû souffrir autant pour gagner parce que, franchement, il était largement à portée. Enfin, je ne vais pas surestimer, mais quand même, il est abordable comme adversaire. Ah là 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 là. En tout cas, un très bon match. Très 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 bon match. Du suspense jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Moi, oui. Alors, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé me qualifier dans ces conditions-là. Ah, Menez, mauvaise note hein, quand même, Menez. Cavani homme du match 8-7. Sirigu 8-1, ça c'est, il le mérite, je trouve. Lucas, bah, je retire ce que j'ai dit sur toi avant. Voilà, 8-1, magnifique match, alors que tous les autres matchs m'ont semblé pas terribles. Allez, regardons ces stats de fin de match. Qu'est-ce qu'on a? On a 14 tirs à 8. 8 tirs cadrés à 5. Il a récupéré un petit peu de possession de balle. Je suis passé de 61 à 58. Et 42 pour lui. Malgré tout, bah, je trouve quand même que j'ai dominé le match. C'est une victoire méritée, je dirais. Il n'a pas été volé. Même si c'était à la 90e minute. Voilà. Écoutez, on va vite ouvrir un pack de fin de match. J'espère vraiment que cela vous a plu. Et on va vite ouvrir ce pack, j'arrête de dire n'importe quoi. Allez, on y va, c'est parti. Pas en FIFA, non, c'est pas ça que je veux, pas du tout ça. Parce que je vais là-dedans. Je veux la boutique. Parcourir louche packs. Ce serait bien d'avoir une légende. Hein. Je ne vois pas pourquoi j'aurais pas le droit à ma légende, moi, alors que je vois tout le monde qui en a eu une. J'ai même mon pote Polo Aldébaran qui fait des vidéos avec moi, qui a eu sa légende, alors que moi. Moi, ça fait des mois, ça fait 6 mois que j'ouvre des packs. J'ai pas eu une putain de légende. Est-ce que ce serait trop demandé de demander de donner une légende, hein? Hein, yeah. Est-ce que je demande, si c'est trop demandé. Là, je pense qu'il va pas sortir maintenant. Mais ce serait bien. Pourquoi j'ai pas le droit à moi ma légende, hein? On me donne Kane là. Mais t'es qui toi? Putain d'Irlandais que je vais revendre 2500 parce qu'il y aura bientôt la sympathique. Hein? Et de la merde! N'en veux pas! Voilà. Et un gardien irlandais encore. Bah ben voilà. Écoutez, j'espère que cela vous a plu. Moi j'ai kiffé. Franchement, content de vous retrouver en solo. On va se quitter là-dessus. On a déjà une demi-heure de vidéo alors j'arrête pas de parler. Je vous saoule, je parie.
Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une bonne matinée, bonne après-midi, dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci encore de me suivre. Merci infiniment. Et puis voilà quoi. Gros bisous, à bientôt. Allez, ciao et bye bye.